Hey, c'est tout le monde, c'est Bootskamel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Black Ops 1, et comme vous pouvez le voir, on est sur PC bien entendu, et on va se faire un petit mode zombie sur du petit Killoder Totem, n'est-ce pas? À l'ancienne, mais alors là c'est vraiment old school quand même, jamais proposé de zombie sur ma chaîne, mais on va commencer tout de suite, alors. C'est vrai, j'aurais pu commencer par un petit zombie sur Advanced Warfare, par exemple, hein. Mais ça arrivera plus tard. Là, je préfère faire ma première vidéo zombie sur le premier zombie que j'ai fait de ma life, c'est-à-dire un petit kino sur Black Ops 1. Mon record perso en solo, et c'est le même en multi avec un pote, c'est manche 40, voilà. J'ai jamais dépassé la manche 40, que ce soit sur PC ou sur PS3 à l'époque. Jamais dépassé la manche 40, donc pourquoi pas essayer de la dépasser. Bon, ça risque d'être plutôt chiant de faire la manche 40. Enfin, ça va être super long surtout. Je joue à la manette parce qu'on peut pas changer le champ de vision sur le zombie. Et donc, c'est assez dégueulasse pour moi qui ai l'habitude de jouer à Black Ops 1 à la souris avec le champ de vision, enfin le FOV au max. Là, c'est un peu compliqué pour moi, donc du coup, je préfère jouer à la manette. Bon, la manette, hein, voilà. Je ferai la vidéo sûrement en deux parties, hein, si je vois que je commence à dépasser la manche 20, je la ferai sûrement en deux parties, ça dépendra vraiment. Ça dépendra vraiment de moi, tout simplement. Donc on va voir quelle manche on arrive à dépasser, ça pourrait être sympa. Donc là il y a le Quick Revive normalement. Voilà, hein, ce qui me permettra de me revive eh bien tout seul. Hop. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué à Black Ops 1 et qui n'ont jamais fait le zombie, bah vous avez loupé votre vie. Alors autant vous le dire, vous avez vraiment loupé votre vie les gens. Parce que la petite nostalgie, la petite larme à l'œil, quand on se fait un petit zombie sur Black Ops 1 quand même. Hop. Hop. Les 4 bonnes vieilles balles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le zombie de Black Ops 1, vous ne pouvez améliorer vos armes qu'une seule fois, n'est-ce pas? Pas plus, bon, après vous pouvez les améliorer plus, mais juste pour avoir des munitions, ça vous changera pas le viseur ou quoi que ce soit. Et puis voilà, quoi, c'est le seul truc à savoir. Après, vous avez certaines. Je crois qu'il y avait une espèce de petite légende, genre quand on cassait ça, ça nous donnait plus de zombies aux premières manches, un truc comme ça. Donc, ça, c'était vraiment une légende de merde. Hein. Une légende urbaine, n'est-ce pas? Ok, je suis mort comme une merde. Bon, vous inquiétez pas, ça arrivera pas. Vous voyez que là, j'ai les deux pistolets akimbo améliorés, c'est ce que ça fait quand. C'est ce que ça fait quand vous améliorez le pistolet. Bah, c'est ce que ça fait, voilà, il devient. Oh le bâtard. Il tire des lance-roquettes, n'est-ce pas? On va essayer de se concentrer un minimum quand même. Quick Revive, je crois qu'on a le droit de le prendre que 3 fois. Si je dis pas de bêtises. Et bien sûr, je n'ai pas l'aide à la visée parce que sur PC, bah, vous n'avez pas l'aide à la visée, vous l'avez que depuis Ghost ou AW. Et sur tous les anciens codes, si vous jouez à la manette, vous n'avez pas d'aide à la visée. Donc, ce qui rend un peu la chose fastidieuse. Et je tiens à préciser, hein, que l'aide à la visée, c'est pas ce que je préfère jouer sur le zombie. Enfin, j'ai horreur de ça en fait. Sur AW, ça va encore. Mais quand je joue à l'aide à la visée avec sur Black Ops 2, mais c'est immonde parce que ça te lock les zombies. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Donc, moi j'ai horreur de jouer avec l'aide à la visée en zombie. Donc, de toute façon, je la mets pas de base. Voilà. On va attendre un peu avant d'ouvrir. On va prendre ça, ça peut être pas mal. Hop. Ouais, on va laisser les rampants, même s'ils vont sûrement mourir au bout d'un moment. Vas-y, venez la bande de bâtards. Bon, de toute façon, ils vont mourir. Voilà. Tac. Ok. Il reste un rampant ou pas? Hop, on lui met un petit headshot. On va commencer un peu à ouvrir. Pas la boîte ici. Donc là, normalement, c'est. Ouais, nice. Alors, ça, c'est bizarre parce que des fois, il apparaissait pas tout le temps. Ça c'est coup de pied arrière, donc du coup ça vous permet d'avoir 3 armes. Et il apparaissait pas à toutes les games, donc c'est un peu chiant. Et la boîte, où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas.
Non, falloir allumer le courant, les gens. Attendez, il est à 1000, hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, là, je suis un peu en la merde. On va refaire les fenêtres. Vite fait en haut pour que je puisse avoir 1000 et que je me trimballe pas ça tout le temps, là. Ce truc de merde. Bien sûr, je joue avec la manette Xbox One. Hein. Vous avez un nouveau driver depuis peu, depuis le début de l'année, qui vous permet de jouer avec votre manette Xbox One sur PC maintenant. Donc c'est cool. Vous n'êtes plus obligé de prendre votre vieille manette de 360. Pourquoi ça me fait aucun point? Bon, au moins on les refait comme ça le temps que j'ai. Hop, voilà. J'ai refait en bas là? Je crois pas, hein. Ouais. Ah là là, un petit zombie à lancer. Mais c'est clair que le jeu est carrément plus beau, hein, vu qu'il est complètement au maximum là, au niveau des graphismes. C'est sûr que c'est carrément plus beau sur PC par rapport à la vieille version PS3. Donc la boîte, vous voyez, elle peut apparaître ici, pour ceux qui connaissent pas Kino, ici bien entendu, là où j'ai Luke tout à l'heure. Tac. Bon, si vous connaissez pas Kino, je suis vraiment désolé, quoi. Ici et là-bas, quand j'ouvrirai. Voilà, sinon la map est assez simple, il faut mieux ouvrir par là où j'ai ouvert, plutôt que en bas. Là où je n'ai pas ouvert. Je vous montrerai tout à l'heure pour ceux vraiment qui ne connaissent pas cette map. Enfin, vous avez eu plein de maps, Map of the Dead. Enfin, pas Map of the Dead, alors ça, je sais pas, je crois que c'était ça. Je crois que c'était l'appellation qu'il y avait sur Black Ops 2. Oh, fait chier, quoi. Il faudra reprendre machin là. Là, je suis vraiment une merde. Hein. Bon, on va attendre, on va pas tuer les derniers, parce que sinon, je vais être un peu à court de thunes, n'est-ce pas? Bon, il va falloir encore que je prenne Quick Revive, mais c'est pas grave. Là, j'avoue que je galère un peu. Alors, j'ai fait juste une petite partie d'échauffement, je cut tout à l'heure. J'ai arrêté après pour pas enchaîner trop de manches, parce que après, si je meurs, c'est un peu la dégoûte. C'est un peu dégoûte. Enfin, j'aurais été un peu dégoûté, j'aurais pas voulu refaire une vidéo dessus. Là, on va juste faire. On les buter. Il en reste encore pas mal. Parce que je veux un maximum de points, donc je vais les finir au petit gun. Hein. Je sais que ça peut être chiant. Hop, en plus un x2. Par contre, il va falloir vraiment que je me. Calme. Ici, je crois que c'est Speed Cola, voilà. Donc ça, c'est pour. Tour de passe-passe, en gros. Tac. Hop, on va recharger la MP40. Et il en reste un. Hop, nice. Bon, là, le meilleur truc, c'est de prendre MP40. Et puis, stake out. Allez, petit double triangle, ça fait plaisir. Enfin, double Y, je sais. Et j'avais trois petits désirs double triangle. Hop, donc là, normalement, on est bien. On va pouvoir protéger les fenêtres. Donc, le mieux, c'est quand même de jouer à deux. Pas à quatre, forcément, mais à deux, c'est bien. Je jouais souvent avec mon pote sur PS3 à l'époque. Ici, All Star Gaming, j'avais fait une vidéo avec lui sur AW. Bon, maintenant, sa chaîne YouTube. Il fait plus rien. Parce qu'il a plus envie, il a plus le temps et puis il s'en bat les couilles surtout. Ce shoot radical. Hop. Là par contre ça a vraiment commencé à venir de masse. On va passer pas mal de gros. J'ai intérêt vraiment à économiser là parce que je suis dans la merde après. Plus de balles. Charpentier. Hop. Bon, on commence à avoir pas mal de thunes. C'est tellement beau. Ah, on a ça que sur Black Ops. Hein. On va pouvoir prendre quelques mines. Voilà, on va faire un peu de résistance ici. Là, normalement, c'est les chiens. Vraiment les chiens de la bonne vieille époque. Hein. Pas les chiens de AW où c'est vraiment de la grosse merde. Non, même pas. Bon, ça sera la même prochaine. Là, c'est vraiment les chiens qui servent à quelque chose. C'est pas les trucs de merde où les chiens ils arrivent en même temps que les zombies ou quoi que ce soit. C'est vraiment des manches faites exprès pour avoir des munitions. Ils rechargent, bâtard.
Bon, là, de toute façon, on va faire de la résistance. Donc, le mieux, c'était de couvrir son pote qui était là. Et nous, on tirait pour protéger ses arrières. Mais le pote, en gros, si vous voulez, il se mettait là où il y a le zombie qui vient d'arriver. Ça, c'était vraiment le mieux pour faire un peu de résistance ici, de faire un maximum de points. Est-ce qu'il y a la boîte? On va attendre. Ouais, elle y est. Génial. On va pouvoir rester pas mal de temps ici. Posant quelques clés morts en essayant de surveiller le maximum de fenêtres. Attendez, on va essayer de faire un rampant. Ce serait cool. Ah, avant, il y avait des vraies techniques. Maintenant, c'est vraiment de la merde. Leur putain de zombies qu'ils nous ont fait sur la W, quoi. Alors, je sais même pas. Ça se trouve, je suis presque sûr quand même. Je serais prêt à parier quand même. Qu'ils ont payé Treyarch pour pouvoir mettre un mode zombie sur leur jeu. Parce que ça a beau être la licence Call of Duty, le zombie ça appartient quand même à Treyarch, donc Black Ops. Et je sais pas. Je suis quand même presque sûr qu'ils ont payé. Je préfère pas trop dire là-dessus, mais. Bon, pour l'instant j'ai quand même deux bonnes armes. Ça servirait un peu à rien de. Bon, allez. Parce que vraiment, on n'en a plus de balles sur celle-là. RPK, génial. Fait partie des meilleures armes en plus, pratiquement. Donc là, ce qu'on peut faire, parce que là, il y a les M16 ici, normalement, il y a les clés morts qui sont quelque part par là, voilà. C'est. Voilà, on va attendre juste. Voilà, là c'est les chiens. On va poser pas mal de clés morts là-bas. On va pouvoir s'occuper de la fenêtre derrière nous, et quand ça sera vraiment trop le bordel, après les chiens, mais entendez, quand ça sera vraiment trop le bordel, on prendra. Enfin, on allumera le courant et là ce sera parti pour. Ce sera parti pour le vrai zombie, n'est-ce pas? Se recharge. Et puis, je sais pas. Ah merde, dommage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Vraiment à l'époque, quand Black Ops est sorti, bon, il y avait une énorme aisance sur Call of Duty quand même. Avec tout ce qui était. MW2, tout ça. Et comment dire, les records sur le zombie à l'époque, tout le monde était un peu friand de ça. Je peux pas en racheter tout de suite. Là, je peux acheter. Ah, je savais pas que je pouvais pas en racheter. D'accord, nique sa mère. Ok, on va tirer comme un bâtard. Hein. T'as l'air PK, hein. Une des meilleures, n'est-ce pas? Tac, vas-y, recharge ma gueule. Oh putain, il y avait du monde à cette fenêtre. Normalement, on ne devrait pas y en avoir plus que ça, peut-être un ou deux, mais. Oh putain. On va se calmer. Donc, ici, il y a le téléporteur. Alors, le téléporteur, parce que c'est vrai que bon, hein, ceux qui n'ont pas joué à Black Ops 1 ne savent pas forcément ce que c'est. Ça vous permet d'aller au Pack-a-Punch. Le Pack-a-Punch étant. La machine qui vous permet d'améliorer. Une fois que vous allumez le courant sur Kino, vous avez les golems. Alors les golems, c'est un peu les zombies rampants qui explosent dès que vous tirez dessus. Donc ça vous fout votre écran tout flou si vous êtes à portée du zombie que vous venez d'exploser. Et ça explose les zombies normaux à côté, en fait, tout simplement. Là, vous n'avez pas de boss ou quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment des zombies purs. Vous avez juste les golems et ces zombies-là, voilà, tout simplement. C'est la seule map où vous avez les golems, donc ça peut vraiment permettre une certaine stratégie. La meilleure chose à faire, c'est quand vous aurez le courant, vous prenez Masto direct, hein, si vous avez assez, bien entendu. Ici, c'est le couteau de boucher, enfin le couteau de chasse, pardon. Pas trop utile non plus. Puis là, moi, le meilleur truc, c'est de tourner. J'aime pas trop tourner sur la scène-là, je préfère plus tourner ici. Vraiment faire... en sorte, voilà. On a la boîte ici, c'est plutôt bien. Si on n'a pas. Si quand on aura fini la boîte, vous allez voir les golems à couvert simple pour ceux qui n'ont pas BO1. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont commencé sur MW3 et Black Ops 2, donc c'est pour ça que il y en a plein qui n'ont pas pu tester. Là, il va exploser ce bâtard. Voilà. Il y en a plein qui n'ont pas pu tester Black Ops 1. Donc c'est bien dommage. Donc, je dis ça parce que j'ai énormément de potes qui sont dans ce cas-là. Alors que Black Ops 1, ça reste quand même le best.
C'était la déchetante. Hein. On va tourner là où j'étais, que j'aime bien, parce que sinon c'est un peu... Bon attendez, on va juste attendre qu'il y ait un amas de zombies là. Bon je peux pas tourner parce que là j'ai fait vraiment de la merde en début de manche, donc du coup ça va être un peu dur. Hop. Alors, pour le téléporteur, hop, on initie, on va à la première salle. Ici vous avez l'indicateur de la boîte, donc moi je suis ici, elle est là. Vous avez juste à remonter l'estrade et c'est bon. Pour allumer le téléporteur, donc vous allez ici. Hop, voilà. Faut initier d'abord là-bas et ensuite vous l'allumez avec. On a pu, enfin, en allumant le courant ici, bien entendu. Si vous avez certains différents pièges. Voilà. Hop. Donc là, je veux prendre le téléporteur qui va m'emmener ici. Donc le pack-a-punch est là-bas, là où je vise en ce moment même. Je pourrais viser les zombies. En fait, tous les zombies seront aggro à cet endroit-là. Et je pourrais lancer toutes mes grenades, donc ça vous permet, c'est une stratégie qui vous permet de tuer un maximum de zombies une fois que vous êtes dans le téléporteur, tout simplement. Tac. Je parle un peu de ça comme si le jeu venait de sortir et tout. Non, mais ça peut être toujours intéressant de parler de ça un peu. On va garder le stakeout quand même. Donc c'est 5000 hein, là, pour améliorer, c'est pas le vieux 2500 qu'on a sur W. Donc j'ai presque plus de thunes. Hein. Bon, comment on va aller acheter tour de passe-passe parce que c'est vrai que pour la RPK c'est mieux quand même. C'est peut-être les chiens là. Bientôt, bientôt. Manche prochaine je pense. Et vous avez des bobines aussi à ramasser là, les bobines que je suis en train de viser ici. En fait quand vous allez dans le téléporteur, vous allez tomber... Alors soit vous allez respawn direct sur la map, donc à la première salle en fait, là où j'ai allumé le courant là-bas. Soit vous allez rester dans une pièce pendant 10 secondes en fait. Parce qu'il faut savoir qu'en fait le zombie avait des secrets avant. Mais c'est pas des secrets de map comme on a aujourd'hui. C'était vraiment des secrets pour savoir l'histoire en fait, les premiers zombies, comment ils sont apparus. Et donc en fait, Dans ces pièces-là, en fait, vous allez trouver des bandes. Et donc, du coup... Oh, putain. Nique sa mère. Vous allez trouver des bandes de cinéma que vous allez devoir mettre... Une fois que vous serez là-bas, vous voyez qu'il y a un projecteur. Vous les mettez dedans. Et donc, après, bah, ça vous met un petit film, en fait, sur le panorama de là. Là, là ici, ça vous met un film. Donc, si j'arrive à choper une... Une bande, bah, je la mettrai. Donc c'est un petit peu le jeu à chaque fois qu'on prend le téléporteur, voilà, tu vas voir si c'est une bobine ou pas. Vous voyez que ça tue quand même pas mal de zombies, le fait que les golems explosent. Ils continuent de vous rusher un peu quand... Tant qu'ils ont... Enfin, même si vous leur enlevez la tête, ils continuent de rusher. C'est plutôt sympa, assez drôle. Tac, je vais laisser un zombie. On va se refaire une boîte pour aller... Hop, qu'est-ce que j'ai comme arme? Ok, donc ça c'est vraiment de la merde. On va un peu attendre. Ah ouais, mais quoique, c'est les chiens après. Je crois bien que c'est les chiens après. Alors attendez, on va attendre. Par contre, le bruit de Skype, ça pète les couilles. Je suis désolé si vous l'entendez. Oh merde, c'est pas les chiens. On va essayer de faire une boîte, pardon. Hey, le joueur! Bon. Alors ça c'est bien. Quand vous avez... Bon là je suis vraiment dans la merde. Hein. Je sais pas si je vais mourir ou pas. On va prendre le téléporteur, sinon je vais vraiment être dans la merde. L'arbalète c'est quand même... Enfin une fois que vous avez trois armes, c'est quand même l'arme que je vous conseille de garder parce que ça aggro les zombies comme les singes. En fait si vous n'avez pas les singes... Voilà, ici vous pouvez racheter des grenades, tout ça. Si vous n'avez pas les singes, c'est quand même bien l'arbalète parce que ça aggro les zombies une fois amélioré. Hein. Ça vous les aggro. Vous voyez que là, ils restent ici. Et donc c'est bien en fait. Ça peut vous sortir d'endroits assez compliqués des fois. Bon, Skype, ils me pètent les couilles. Franchement, les gens qui me foutent dans des conversations de Skype que je connais personne, mais ils me mettent quand même dans leur putain de conversation, ça me saoule. Donc là, il n'y a pas de bobine.
Je crois pas en tout cas. Bon, là, de toute façon, on ne doit plus avoir beaucoup de zombies. Peut-être un peu quand même. Donc, les records zombies. Je crois que c'est que des Français qui les tiennent pratiquement. C'est même presque sûr. Bon, allez. On va acheter. Voilà. Coup de pied arrière. Tac. Et. Donc voilà, là j'ai 3 armes. On va aller acheter. Petite cola. Et il y aura tir rapide dans les portes que je n'ai pas encore ouvertes. On les ouvrira tout à l'heure. Il y aura tir rapide aussi à ouvrir. Enfin, à acheter, pardon. On va se refaire une petite boîte parce que maintenant, vu que j'ai 3 armes, voilà. Hop, ok, donc ça c'est la meilleure arme pratiquement. C'est l'une des meilleures armes en fait. Hein. Ah là là, je suis vraiment désolé que vous ayez la conversation de Skype. Alors attendez, je vais essayer de la virer sur mon portable. Peut-être que ça la virera sur le PC. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais c'est le petit l'espèce de petite goutte d'eau des fois qui apparaît. On entend. Où sont les derniers zombies? Bon, on va l'attendre le dernier. C'est pas grave. Hop. Bon, c'est vrai que là pour l'instant les armes que j'ai c'est pas le top hein. On va juste changer l'arbalète, c'est pas très grave. Ok, ça c'est pas mal. Ils sont pas mal ces deux guns. Hop. Normalement là c'est les chiens. Mange 12, normalement c'est les chiens. Ouais voilà. Donc il y avait un bug hein, pour ceux qui savent pas. Voilà. Normalement, si j'arrive bien à me caler dessus, il n'y a pas de souci. Hop, ici à peu près. Ah merde. Si vous mettez là, normalement, les chiens s'en battent les couilles de vie. Là, c'est pas le cas. Voilà, là, c'est bon, je suis dessus. Voilà. En fait, ils se mettent soit là, soit devant là, ou soit devant là. Ça dépend vraiment là où vous êtes sur le bug. Et ils ne vous touchent pas. Bon, je fais. Il sert à rien. Parce que les chiens. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont du mal avec les chiens. Moi, je m'en bats littéralement les couilles. De toute façon, après, ils vous donnent des mines. Vous pouvez dépenser. Tac, nice. On va juste aller réinitialiser la rampe parce qu'on sait jamais si on en a besoin. Là, en sachant que j'ai vraiment des armes pas top. Tac. Vous avez vu un peu hein, le principe de ce Black Ops 1 zombie. Alors, il faut savoir que c'est pas le premier zombie. En fait, enfin, Treyarch est vraiment à l'origine du tout premier zombie parce que. Ils ont fait World at War aussi, pour ceux qui ne savent pas, hein, leur premier Call of Duty. Ils ont fait World at War. Je crois que c'est le premier Call of Duty, World at War, qui a été sur PS3 et 360 à l'époque. Je suis même presque sûr, en fait. Hein. Bon, avant, on avait des vieux Call of Duty de merde et tout, mais c'était pas le top avant. Hein. Pour dire ce que vous voulez, hein, c'était vraiment pas le top. Donc, bref, une fois que vous avez fini la campagne... Une fois que vous avez fini la campagne de World at War, vous pouvez accéder, c'est un espèce de mode caché en fait, vous pouvez accéder aux zombies en fait, et donc voilà, vous avez un petit mode zombie tranquille. C'était plutôt plaisant. Donc, en fait j'ai un peu de mal à tourner là où je tourne d'habitude, donc je vais plus tourner là. Donc le Steak Out, hein, un des meilleurs, vraiment il est top top top. Manche 15, il va falloir commencer à aller améliorer. Parce qu'après, c'est vraiment la dèche. La crise. Oh là là, le bâtard. On sera. Je pense que ça sera des vidéos de 45 minutes, 1 heure. Si j'arrive à aller à une certaine manche, quand même. Je pense que je vais. Franchement, je vais bien gérer. On verra bien. Hop. Je défonce. Il y aura sûrement des zombies avec des potes, je verrai. Peut-être pas sur Advent Surfer. Que sur BO1, je pense. Advent Surfer, je ferai du zombie tout seul. Ou avant qu'il y ait un pote qui va bien m'accompagner, mais je sais qu'il a pas trop envie que je sois avec lui en vidéo, donc voilà. Il faudra vraiment voir. Je crois que c'était une bombe nuque. Hein. Non, c'est mort instant, c'est cool.
ce flingue, il y avait beaucoup de monde qui le sous-estimait, mais c'est vraiment cool. C'est clair que c'est plus facile avec... avec tour de passe-passe. Hein. Donc toi, tu restes là, au sage. Enfin, sage. Tac. Donc ici, vous avez une tourelle que vous pouvez activer. Bien entendu, je crois que c'est 2500. Non, 1500, ok. Tac. Ensuite, vous avez des pierres un peu partout dans la... Un peu partout dans la map, il y en a une, je sais, elle est là-bas. Mais pour activer une musique, bon, ça sert un peu à rien. La musique, je sais pas si elle est copyright. Putain, ça m'a fait des points de tirer là-dedans, non? Ok, bien. Je suis pas sûr. Bon, bah, on va pouvoir y aller. Hop, un petit munition max, ça fait plaisir. On va pouvoir garder nos armes bien longtemps encore. Là on les mange 14, on va attendre encore d'améliorer, on va faire quelques boîtes. Je pense qu'on va vider la boîte carrément. On verra. Histoire que vous voyez un peu les différentes armes qu'il y a. J'aimerais bien tomber sur la commando parce que c'était quand même l'une des meilleures armes sur ce zombie. Normalement ouais, c'est toujours 2 balles à peu près pour tuer un zombie. 2-3, faudra voir. Je vais essayer de tourner là. C'était juste histoire que je reprenne un peu la manette en main. Même si je joue tout le temps sur Xbox One à code. Ça peut arriver des fois, franchement, enfin, vu que je joue avec une grosse 106, c'est plus dur de se réhabituer à une grosse 106 qu'à une petite. Donc du coup, j'ai des fois un peu de mal à me réhabituer avec. Vu que je viens de rejouer sur PC juste avant. Donc moi je préfère carrément tourner là, je trouve ça plus simple. Hop. Mais avant, vous voyez, il y avait des vraies techniques. Là, maintenant, je trouve que leur putain de zombies ressemble pas à rien. Sur Black Ops 2, j'aimais pas trop les maps qu'ils avaient fait, disons, ville et tout. Je trouvais qu'il y avait... C'était vraiment, je sais pas, le feu et tout, ça donnait vraiment un côté dégueulasse au gameplay. Je préférais vraiment le zombie pur de BO1. Même si c'est pas le premier, je crois que ça devait rester le meilleur quand même. Quand même... Voilà quoi. Vous voyez, toujours putain d'efficace ces guns. Hein. On va dire ce qu'on veut. Pistolet éclair, on s'en servira vraiment si on est dans la merde. J'espère vraiment. Ah, j'aimerais tellement qu'ils nous fassent une petite version remasterisée. Je pense que il y en a plein qui l'achèteraient juste pour ça, une version remasterisée de Kino Dark Totem sur Black Ops 3. Ce sera vraiment énorme. Et je pense franchement qu'ils vont pas nous faire de la merde sur Black Ops 3. Même si à chaque fois on dit ah le jeu est bien et en fait 4 mois après la sortie c'est vraiment de la grosse pite. On dit souvent ça mais je pense que c'est la communauté qui est comme ça. Hein, voilà. Voilà voilà. Après ça me... Voilà. Ça m'est pas trop arrivé particulièrement mais... Alors attendez. Bon. Petit zombie vraiment le school, ça fait plaisir. Hop. On a encore le steak out, c'est bon. Bon, manche 14, force Camille. Alors je crois que c'était toutes les 5 manches, hein, les zombies. Les chiens, pardon. Normalement, manche prochaine, j'ai des chiens. C'est pas sûr, mais faudra voir. Ça vous permet en fait de. Quand vous avez les armes. Voilà. Ça, on l'utilisera vraiment quand on est dans la dèche. Là, il va vraiment falloir que je commence à. Ouais, là c'est vraiment la déche. Manche prochaine, faut pas que j'oublie de faire un rampant. Alors attendez. Quand. Voilà, je vais garder ça au cas où là. Le temps que je fasse un petit tas de zombies. Bon, vous avez pas trop vu. Bon, ce qui est chiant avec cette arme, c'est que vous tirez une fois, vous pouvez pas recharger. Vous devez tirer une deuxième fois, donc si vous voulez vraiment être sûr et tout, des fois. Ok, on a plus de grenade. Bon, je pense que là, niveau zombie, on est pas mal. Bon, ce qui était chiant aussi sur Play 3, c'était que. Ou même sur 360, hein, moi je joue sur Play 3, c'est pour ça que je parle souvent de la Play.
C'était que, en fait, bah, vu que la console n'était pas forcément assez puissante, vous ne pouviez pas. Enfin, quand vous avez arrivé à manche 70, en fait, c'était des vagues de zombies. C'était pas tous les zombies d'un coup, alors que sur PC, bah. Voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la console ne pouvait pas afficher plus de zombies qu'elle n'était puissante. Voilà, donc ça vous bloquait un certain nombre de zombies. Pour pas que le jeu lag comme un porc. Donc vous n'avez pas la même difficulté sur PC que sur ancienne génération. Donc, voilà, je tenais à le préciser. Ah, bon, oui. On va pas la prendre. Hein. On va pas la prendre parce que j'ai. Allez hop, ça m'a les couilles. Une bonne arme ou pas? Ah, ça c'est de la merde. Non mais là, on se dépêche. C'est un vieux fusil à pompe de merde là. C'est bon, c'est les chiens. Allez. Ah, ah. Je jouis. Je jouis, putain. J'ai la commando. Vu que t'es ce bâtard, il a pas voulu. Mais tour de passe-passe quoi, pourquoi ils l'ont viré d'Advent Surfer quoi? Enfin pourquoi ils l'ont pas mis sur Advent Surfer tout simplement? C'est-à-dire c'est mon atout préféré et eux ils le mettent pas quoi, putain. Hop. Bon. Voilà. Ça c'est vraiment de la merde comme arme. Hein. Là j'avais mort instant en même temps donc. Oh. Bon ok. Bon bah on va se démerder avec ça. On va mettre des clés morts de chaque côté. Hop. Wally voilou. Ouais, bon, ça va par rapport au stakeout. En fait, c'est la même pratiquement, non? Oh non, c'est quand même mieux que le stakeout. Il y avait comme map, il y avait Day Rise, Moon, 5 qui se passait à la Maison Blanche. 5 c'était super compliqué. Après, c'était la plus dure, 5. Hein. Et vous aviez, bah, après les autres, je me souviens plus exactement. Je vais attendre un peu avant d'améliorer. Hein. Tac. Day Rise, vous avez plein de secrets dessus. Enfin, vous pouviez, en récupérant des espèces de petites radios, en fait, avoir au fur et à mesure l'histoire du zombie en fait, avec le docteur, sa fille et son chien, enfin voilà, l'origine des chiens aussi. Sur Kino, vous pouvez l'avoir aussi. Enfin, vous n'avez pas l'histoire complète, enfin, vous avez juste l'histoire des personnages. Quand vous ouvrez la deuxième salle, je vais vous montrer juste après. Vous avez des tableaux et vous pouvez, en appuyant sur leur gueule, avoir leur histoire à eux, je crois bien, ou juste un petit message. Regardez, là, normalement, vous avez des tableaux ici. Alors attendez. Hey, regarde, c'est personne. Voilà, il a dit, regarde, c'est personne. On bat les couilles un peu. On va pas rester là parce que ici c'est trop le bordel. Hop, voilà. Bon, pour l'instant, on se démerde bien, ça va. Pas trop de soucis. Par contre, il va falloir que je prenne. Il va falloir que je prenne Quick Revive. Tac. Ça va, il n'y a pas trop besoin. Allez où la boîte du coup là? Ah bah nickel, elle est là normalement. Ouais, petite lumière, elle est là. Bon, ça fait plaisir. Ça va en fait, il est puissant ce gun là. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Oh piton! Donne-moi! Oh nice! Oh là là! Ah bah là, piston, vous pouvez être sûr que je vais le garder. Rien à battre. Tellement bien. Il y avait des records, faire genre manche 30 jusqu'au piton, juste avec le piton.
Hey, tu te calmes. Attends, les lions, on va le laisser, on va juste réinitialiser la boîte. Si vous les cutez, les golems, ils font pas de fumée. Donc faut attendre un laps de temps avant que le téléporteur se régénère, entre guillemets. Hop. Et j'ai failli toutes mes balles, même la dernière, elle est pas passée. Là on a 11 000, on est quand même pas mal, mais de toute façon on peut pas prendre plus d'atouts que ça. On va un peu attendre. Manche prochaine, je pense qu'on va améliorer. Hop. Bon, allez, on va pas perdre plus de temps que ça. Hop, nice. Tac. Bon bah on est plutôt pas mal. On va faire quelques fenêtres. Alors, venez à moi. Bande de bâtards. Donc si les vidéos sur le zombie ça vous plaît, hein, vous me dites dans les commentaires et puis je referai d'autres sur Advanced Warfare. Pas Black Ops 2 parce que Black Ops 2 je ne l'ai pas. Je ne l'achèterai pas. J'achèterai pas Black Ops 2. Parce qu'il y a Black Ops 3 qui sort et puis Black Ops 2 ça a pas été mon putain de dada. Regardez-moi ce monde. Hop. Petit jump. Ah, c'est vrai que les petits zombies old school ça fait plaisir. Hein. Puis même Call of Duty dans c'est bien aussi, autant en profiter, il y en a plein, autant en faire, autant y jouer à tous les Call of Duty, plutôt que de faire toujours des vidéos sur Advanced Warfare ou des choses comme ça. C'est quoi le bonus là? C'est une bombe nuque? C'est une bombe nuque. Pour l'instant c'est pas trop compliqué, putain j'avais l'impression que c'était plus compliqué avant. Je vais dire ça, je suis sûr que c'est pile pas le moment où je vais mourir. Meurs. Hop. Je fais des collates quoi. Je fais des collates au piton. Faut pas que je meure. Ça c'est turn. Oh, j'ai enlevé sa tête. Regardez-moi cette merde. Regardez-moi cette merde. Oh la la grosse merde. Bon. Tu arrêtes de courir. Bon bah RIP aux zombies. Voilà, dans les commentaires. RIP zombies sans tête. Hop. Mon premier gun qu'on ira améliorer, bah c'est ça, bah de toute façon on ira améliorer la commando et voilà. Donc là c'est pas comme sur Advanced Warfare, c'est comme sur Black Ops 2 et Black Ops 1. Quand vous améliorez, vous n'avez pas votre arme direct dans les mains. Elle a juste le camouflage bah, de version améliorée en fait, c'est pas un camouflage genre vert, fluo, des trucs comme ça. C'est un camouflage propre à Black Ops 1, le même que sur Black Ops 2 je crois bien. Et vous devez attendre un petit laps de temps avant de l'avoir. Donc voilà. Oh genre j'ai fait ma tête. Donc comme ça on a plus de mine dans le... Putain il bouge pas mal hein. Non là par contre ça va être vraiment chaud. J'ai rien amélioré. Juste prendre ça. Voilà comme ça on est tranquille. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Hein. Mis à part le commentaire qui est pas au top parce que je suis pas mal concentré tout ça. Mais ça peut le faire. Oh là 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 là. Tous ces points. Ah, j'entends un petit bonus, n'est-ce pas? Ah, petit x2 là. Hop, regardez ce qu'on fait quand on est en x2. Oh là, bande de bâtards. Donc la commando améliorée, bon bien sûr elle tire un peu plus vite je crois bien. Elle a un chargeur, double chargeur. Et voilà quoi. Et elle est beaucoup plus puissante bien entendu. Oh! Alors ça... Ça en plus je suis parfaitement au bon endroit pour l'utiliser. C'est double boîte, enfin c'est boîte gratuite.
Donc là, je suis parfaitement au bon endroit pour l'utiliser. C'est hop, ici. Et ici, voilà. Là, c'est vraiment le meilleur endroit pour avoir cet atout-là. Hein. J'ai plus de balles dans les deux guns. Je suis obligé de prendre ça. Là. Non. J'ai quoi là-bas? Couteau balistique. Le couteau balistique, une fois amélioré, il peut... Il peut revive les gens. Oh merde, nique sa mère, yo, t'es sérieux là? Il peut revive les gens en plantant tout simplement un couteau dans la gueule de votre pote. Voilà. Bon, là on va aller améliorer cette manche là. Pour que ce soit les chiens. Pour que ce soit pas les chiens. Non, c'est bon. Il faut que j'améliore. J'améliore la commandant en première parce que sinon, sinon c'est la dèche. Ouais, donc on les met là en fait, les petites. Hop, vas-y, réaméliore. Nice. Putain, le camouflage il est tellement beau. Hop. Amputation, clairement. Tu quoi là, les voix sont tellement top quoi. Hop, on va mettre des petites têtes avec le piton. En plus, il prend 12 balles, alors ça c'est pas mal. Ah, voilà, petite bobine. Vous voyez, ça vous le met en bas à droite, là, à côté de votre, vos points, là. Ça vous met que vous avez une petite bobine, donc la prochaine fois que je retourne dans le téléporteur, bah voilà. Bon, donc là, le mieux, c'est de pas attendre, en fait, hein. C'est de sprinter. On va prendre juste ça. Donc là, ce qui est bien, c'est de mettre ça, mais bon, on va pas le mettre. Tac, pour l'instant, on mange 20, pas mal. Je pense qu'on va faire carrément plus. Tac. On va sûrement s'arrêter à manche 25 et comme ça, deuxième vidéo, on continuera. Vous êtes prêts là? Oh là là, on se croirait en Star Wars quoi. C'est Star Wars les potes. J'ai un Stormtrooper et tout. Alors, et ceux qui n'ont pas vu la nouvelle bande-annonce de Battlefront, quoi. Battlefront, le nouveau Star Wars fait par Electronic Arts et le studio DICE, ceux qui s'occupent de BF. Donc, franchement, allez voir la bande-annonce de Battlefront parce qu'elle est vraiment au top. On voit Dark Vador à la fin, enfin, c'est vraiment une putain de tuerie, le jeu est tellement beau. Pour ceux qui le précommandent sur PS4, vous avez des bonus de précommande, donc moi j'attends. Je sais pas, enfin il y a même une à 5 exemplaires, vous avez une PS4 collector aux éditions de Battlefront, alors en fait ça sert à rien. Enfin pour moi, je trouve que ça sert à rien parce que la PS4 n'est pas collector comme la nouvelle PS4 par exemple de Batman. Pour ceux qui n'auraient pas vu la PS4 collector de Batman The Dark Knight à l'occasion de la sortie du jeu, bah, je vous invite à aller la voir. Mais et là, c'est juste le packaging en fait qui est collector. Genre, quand vous ouvrez, vous avez un Stormtrooper et tout. Enfin, c'est. Voilà, donc ça sert à... En fait, ça sert à rien quoi. Encore, la PS4, genre, elle aurait été. Par exemple, ben, je dis une connerie, genre, bah, soit noire avec, je sais pas, une petite tête de Dark Vador dessus, ou blanche avec une tête de Stormtrooper. Enfin, vous voyez un peu le délire quoi. Ça aurait été carrément plus classe. Ou même aux couleurs de R2D2, genre, comme ils avaient fait Microsoft avec leur 360 aux couleurs de R2D2 avec leur manette en mode C3PO en toute dorée, enfin, c'était vraiment classe, ça jetait. Non, là c'est juste le packaging qui sort, enfin qui change en fait, ça n'a rien à voir avec. Donc je trouve ça vraiment dommage. Alors que la version de Batman, bah, ils ont fait une PS4 grise avec Batman dessus, enfin vraiment trop d'art. Donc, je pense vraiment revendre mon ancienne Play 4 pour m'acheter à la nouvelle de Batman. Donc allez voir la bande-annonce, en plus c'est une nouvelle bande-annonce aussi de Star Wars 7 qui est sortie en même temps, enfin pratiquement en même temps. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, d'accord, j'avais genre 6 balles, j'ai loupé toutes mes balles. Ah là là, c'est tellement beau putain.
Ah, j'ai pas réinitialisé le téléporteur. Je crois que c'est les chiens, je suis pas sûr. C'est les chiens. Bon, j'initie juste le téléporteur, de toute façon les chiens c'est pas plus compliqué. Hop. Et au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer toute la vidéo et puis je couperai un moment comme ça. Imaginons, je m'arrête à manche 25 et je me remange 30, ça sera pas du tout le même nombre de temps. Donc, si le zombie dure 2 heures, bah, je couperai une heure, comme ça au moins. Voilà. Donc, je sais pas quand la vidéo coupera, ça se trouve, elle a déjà coupé en fait. C'est vraiment pas. Alors j'avais oublié de dire dans ma vidéo SWC, ma dernière vidéo avant celle-ci, que je ferai sûrement un petit reportage dessus. Genre... Ouais voilà quoi. Et bon du coup ça sera qu'un reportage sur la deuxième journée, donc ça se trouve il n'y aura même pas d'équipe française qualifiée. C'est quand même sur les meilleures équipes du monde, hein, donc il risque d'y avoir que des équipes européennes, enfin les meilleures équipes européennes et les équipes US bien entendu de qualif. Donc ça sera vraiment que sur la deuxième partie. Parce que là, bah, samedi, ça commence de samedi à dimanche, mais bon samedi je travaille, donc voilà. Oh, quoi de gratuité. En début du truc, quoi. Ça fait de ma gueule, quoi. De toute façon ça sert à rien en fait, hein. Juste ça sert à rien. Juste pour choper les chiens en fait, parce que là j'ai genre les meilleures âmes quoi. Il me faudrait juste le pistolet laser, mais j'en ai un peu rien à foutre. Est-ce qu'on se la joue old school au sniper? Ouais, on va peut-être pas tenter, ça sert un peu à rien. S'en bat les couilles, on va pas mourir pour une boîte. Ça c'est un peu le truc con hein, quand vous avez une boîte gratuite. Vous mourriez comme des merdes, juste pour avoir une putain d'arme de merde en fait. Au final, ça sert à rien. Bah ça meurt gentiment. Elle prend pas 45 balles la commande. Je crois bien. Oh les bâtards. Bon bah voilà, je suis dans la merde là par contre. Bon non ça va, j'ai encore 20 000. On va essayer de buter le maximum de zombies. Par contre là j'ai plus rien, là j'ai pas de pierre tombale ou quoi que ce soit. Là par contre je suis vraiment dans la merde parce que j'ai pas masto, il va me falloir... Et j'ai perdu mes 3 armes donc du coup je sais pas ce que j'ai comme arme. Ça va, j'ai la mort de thune. J'ai quoi comme arme? Ok d'accord, j'ai juste perdu le réacteur d'avion. Je sais plus comment il s'appelle, moi je l'appelais tout le temps le réacteur d'avion donc du coup... Voilà quoi. Ah merde, j'ai oublié de mettre la bobine. Tout le temps qu'après, ça. Bon, il n'y en a pas d'autres, par le grand nounours. Bon. Allez, cours, mon pote. Tu peux le faire. Tac. Bon, on va tout racheter, hein, c'est pas grave. Hein. Tac. Je croyais que j'étais à 27 000 et où? Ah ok, il n'y a plus le... Bon, bah, comme ça je vais vous montrer. Pour ceux qui n'auraient pas vu en fait... Ah, j'ai chier par contre. On peut ouvrir ici. Hop. Voilà. Donc après vous pouvez ouvrir jusqu'à là-bas. Je vous montrerai peut-être après. Puis ici c'est double coup, c'est tir rapide en fait. Hein. Voilà. Pourquoi c'est aussi dur à mâcher? Il va vraiment falloir que je fasse gaffe parce que j'ai rien du tout. Là ils vont être vénères les zombies, hein. J'ai pas de truc pour sauver la mise. Moi bon, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça, ça va me permettre de faire plus de boîtes et tout, vous verrez un peu toutes les armes qu'il y a. Vraiment la majorité des personnes s'arrêtent vers manche 23, 25. On verra bien, c'est ce que j'ai mon... C'est un peu la manche maudite en fait. Hein. C'est la manche où tu meurs quoi.
On va garder la commande. On va prendre ça. Hop. Hop. Putain, mais s'il va l'arracher là. Vraiment vénère ce gun, putain. Oh la tête. Tac. La M16 qui est à gauche là, une fois améliorée, elle donne un lance-patate. C'est plutôt cool. Avant, j'ai plus de deuxième chance. Hein. Il faut que je. Si je meurs, c'est la fin par contre. Vu que j'ai niqué toutes mes chances au début comme une merde. Oh, oh, oh. Fais mourir. Bon, je vais en profiter pour acheter tous mes atouts. Il y en a un là quoi. Hop, comme ça on a re 3 armes. Tac, donc comme ça du coup on a tous les atouts là. Enfin vraiment tous les atouts qui vous permettent d'être au top. Voilà, tac. Donc on a plus que Quick Revive là, voilà. Hop, plus de balles. C'est monté d'être. Wow, 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 wow. Tu te calmes. Oh non, non, je bouffe mes balles quoi. On va améliorer. Je crois que le record de thunes, ça devait être 50 000, un truc comme ça. Et il continue de... Putain, lui, il est... C'est vraiment pas la fin de la manche, là. Bon, on va rush, hein. Petit drapeau nazi, voilà, ça fait le décor un peu. Hein. Plutôt pas mal. T'es le mec, vraiment. Hop. Il y avait un truc ici, normalement, ici, on peut entendre les cris. Mais non, c'est là-bas. Normalement, ici, on peut entendre les cris d'une fille. De la petite fille, en fait, du docteur qui a inventé les zombies. On va utiliser les dernières balles de ce machin là. Ça va, elle est pas dégueu. Je mets que des têtes avec. Ouais, je vois le nombre de zombies que j'ai buté. On va tourner un peu là. Oh les bâtards. Ils sont vénères. Je sais pas s'il me reste un rampant encore. Faire une boîte parce que là c'est un peu la merde. On va réinitialiser le télép. Allez, donne-moi un truc bien quoi, un petit laser ou une hogue. Ta mère quoi, putain, mais ta mère. Tu me donnes vraiment de la grosse merde. J'espère que tu t'en rends compte. Hop, je récupère les lames sur toi. Vite faire une boîte là. Plus de boîte. Bon bah. On va attendre. Où est-ce que t'es la boîte? On voit. Ah,
Alors, attendez. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Alors, l'endroit le plus chiant du monde, mais c'est pas grave. Heureusement que j'avais ouvert. Tac. Ah, l'extérieur. Il fait un grand ciel bleu, c'est plutôt sympa. Bon, on va voir ce qu'il nous donne. Hop, petite poubelle. Il n'y a rien dedans. Ok, de la merde. De toute façon, on a pas mal de thunes, donc ça s'en bat les couilles. Là, il me faudrait au moins un pistolet laser ou un truc histoire d'assurer, quoi. Parce que sinon... Bon. Dans le pire des cas, hein, je vais la vider. J'ai de la thune, je m'en bats les couilles. Fall. Tellement bien la fall en multi. En zombie, je crois qu'elle est pas top. Hein. Ah, il y en a deux. Oh la bogue. Nice. Je pense qu'on va le prendre le pitum. À moins que ce soit les chiens. Là. Oh, mais là, attends, c'est vraiment la dèche. Donc, on va garder la hog. Je tentais quand même de me refaire une boîte histoire de voir si j'ai pas un petit truc à échanger contre le cobra là. Ex piton. Sa mère. Dragon neuf, génial, encore mieux tu sais. Je connais les bails. Non mais là par contre, dernière boîte et après j'arrête. Oula, j'ai fait de la... J'ai fait le con. J'ai failli le tuer. J'ai dépensé 20 000, hein. Enfin, 10 000. Ah, enfin. J'ai le pistolet laser. Effectivement. Tu as de quoi être trop content. J'ai réinitialisé le télé. C'est bon, c'est la fin. Si, ouais, le vieux truc de merde. Oh, nique sa mère, je l'ai pas réinitialisé. De toute façon, c'est les chiens. Pas les chiens. Là, je suis dans la merde. Oh putain, il était déjà initialisé. Faut juste que j'aille là-bas. Putain. La perte de temps. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pistolet laser. Ça me pas les couilles. Et on va faire le tour. Non, là, ça va être compliqué. Hop, on va mettre quelques petits pièges. Tac, tac, tac. On va peut-être pas y aller tout de suite. Si je vois que je galère, on ira. Si je vois que je galère pas, on y va pas. Oh là, le recul. Oh oh. Non, c'est bon. Vous voyez, un chargeur à peu près de hog pour buter un mec. Oh oh. Oh oh. Ah, je suis mort. Ouais, génial. Manche 24, voilà la manche maudite, n'est-ce pas? Bon, en fait, ça fera une vidéo entière. Hein. C'est une heure de zombies, n'est-ce pas? Putain, manche 24, je suis un peu déçu. Bon, c'est pas grave, au moins ça fait... Ça fera pas de vidéo, ça fera qu'une vidéo à regarder. Donc j'espère que cette vidéo sur un petit zombie à l'ancienne, old school, sur Black Ops 1 vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire, me faire part de vos avis. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Choose your player. Mario.